À Hanoï, en revanche, le régime garde son cap. Le communisme règne sans partage et la réunification du territoire reste l'obsession de ses dirigeants. La piste Ho Chi Minh est devenue une véritable autoroute. De jour comme de nuit, elle est parcourue par un flot ininterrompu de combattants. Au fil de leur progression vers le sud, des centaines de villages se sont ralliés à la cause. Souvent de gré, parfois de force. Un médecin déplore. Les familles étaient déchirées. Un frère pouvait se battre pour le nord, un autre pour le sud. Ils risquaient de s'entretuer.